Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Bonjour, moi c'est Baba Kumba, j'ai 20 ans, animatrice avec la ville de Creil actuellement. Et parallèlement, je pratique de l'athlétisme. L'été dernier, j'ai été championne de France espoir et élite du 4x100 mètres avec mes copines et puis voilà. Enchantée, toutes félicitations. Que pensez-vous de la manière dont sont appliqués les droits de l'homme en France, ce pays qui en est le berceau? Moi, je trouve que c'est pas vraiment bien appliqué parce que ça fonctionne pas, en fait. On dit qu'on est tous égaux, on n'est pas tous égaux. Il y en a d'autres qui doivent se battre plus que d'autres, et ce qui n'est pas normal, en fait. D'accord. Par le biais de ces micro-trottoirs, nous luttons contre l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme. C'est pourquoi nous demandons à chaque participant de nous lire un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, je vous invite à tirer un petit jeton sur lequel sera inscrit un numéro et de nous lire l'article correspondant. C'est l'article numéro 12. Alors, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Merci pour cette lecture. Que pensez-vous du slogan de l'association qui est « La violence recule là où la solidarité avance » ? Moi, je pense qu'il est pas mal et il dit beaucoup de choses et il en dit non, en fait, ce slogan. Est-ce que nous pourrons compter sur votre solidarité par un geste très simple, qui est d'aller liker la page Facebook de l'association Union de la Sagesse Populaire? Oui, dès ce soir, vous pouvez aller vérifier et puis ça sera liké. J'espère que beaucoup de gens vont suivre, en fait. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne continuation et merci encore. Merci à vous.